Salut Sizzla, t'es ici avec nous pour nous parler de ton premier film, Kingston Ninja, que tu as entièrement produit et réalisé et qui nous parle d'agriculture et d'écologie. Ok, dans mon film, je dénonce un problème qui touche toute la Jamaïque, et surtout les Jamaïcains, à savoir l'importation massive de la pastèque chinoise vendue moitié moins cher que la locale. Et ça, c'est dégueulasse. Dans mon film, les intérêts des producteurs de pastèques jamaïcaines sont défendus par un collectif de ninjas, dont le leader est togolais, vois-tu. J'ai fait ce film pour remettre les pendules à l'heure, pour que la pastèque jamaïcaine soit reconnue comme espèce protégée, et éveiller les consciences des pourris de ce monde. Et je pense tout particulièrement aux conseillers du ministre de l'Éducation et du Respect des îles Marshall. 1, 2, 3, 4. Rappelons que ton film est un hommage au fondateur du ninjutsu qui venait de Togolie. J'ai nommé Yusuf Chan Kouyaté, mais le mieux c'est de regarder la bande-annonce. Vas-y, balance. Quand le gouvernement chinois décide d'envahir le marché jamaïcain avec ses pastèques transgéniques, une seule personne se met en travers de sa route. Le Kingston Ninja. Sur cette île, désormais, vous consommerez nos pastèques chinoises. Ma chumbi. Ils parlent même pas notre langue, comme un macaque, un ninja qui bouffe de la banane. Attendez, vous êtes morts. On va vous laminer, on va vous défoncer. Des ninjas, des acrobaties, du champagne, des billards blanches, du sexe interracial, avec Raymond Mugabe, Ousmane Keïta, MC Cool Master P et la participation exceptionnelle de Franck Leboeuf. Tremble Babylone! L'Afrique vient au secours de la Jamaïque! Raymond Mugabe et le Kingston Ninja! J'espère que ça vous a tous plu! Sinon, à part ça, je vous donne rendez-vous le 25 octobre à l'Élysée Montmartre. Venez, j'aurai cette veste. Vous pouvez pas me rater. Oh,